Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, au sein de la guerre en cours contre l'identité palestinienne et son histoire, le Palestine Film Institute accomplit son devoir de soutenir les films et les récits palestiniens dans les événements internationaux. Pour cette 77e édition du Festival de Cannes, en collaboration avec Cannes Doc 2024, le PFI présente 4 documentaires en cours dans le cadre du Palestine Showcase. Ces manifestations culturelles permettent aux cinéastes et aux producteurs de présenter leurs longs métrages documentaires en cours sur la Palestine aux décideurs et aux programmateurs de festivals. Une plateforme permettant aux réalisateurs de s'engager avec la communauté cinématographique mondiale et de participer aux événements de cette industrie. Face à un silence assourdissant des instances internationales sur les génocides sionistes commis à Gaza, présenter des films palestiniens dans cette conjoncture constitue un porte-voix pour la cause palestinienne. The Deer's Tooth, le court-métrage palestinien de Saif Hammash, étudiant à l'université Dar el-Kalima de Beit Lahm, est sélectionné pour cette 77e édition du Festival de Cannes, dans la compétition internationale des courts-métrages des écoles de cinéma. Le jeune homme s'efforce d'exaucer la dernière volonté de son frère assassiné par les Israéliens. Le film aborde les difficultés, les obstacles et les émotions auxquelles le jeune homme est confronté pour réaliser ce souhait et honorer la mémoire et la dernière volonté de son frère. L'Algérie fait son comeback cette année, une présence marquée par le déploiement du pavillon algérien sur l'esplanade de la ville, pavillon qui héberge par la même occasion celui de l'État de Palestine. Cette participation au marché du film symbolise un tournant majeur pour le cinéma algérien. Elle contribue non seulement à enrichir la diversité culturelle de l'événement, mais aussi à consolider sa notoriété internationale. Héberger le pavillon de l'État de Palestine permet d'exprimer la solidarité de l'Algérie avec ce pays opprimé, mais surtout médiatiser la cause palestinienne dans l'une des plus grandes manifestations culturelles internationales. Plusieurs stars du cinéma ont affiché leur soutien à la Palestine, notamment l'actrice franco-algérienne Leïla Berti, en arborant un petit pin sous forme de pastèque sur sa robe noire pour sa première montée des marches de la saison.